Are you ready, guys? Okay, Naive New Beaters. Keeping it cool with my man, Eurobilix, Martin Luther BB King, and myself. Parce que, en fait, bon, en 2003, avec Thierry Mornet chez CEMIC, on avait rassemblé une petite équipe de créateurs, qui d'ailleurs, depuis, ont tous fait leur chemin. Hein. Stéphane Louis, Jean-Jacques Kazowski, Jean-Marc Léné, qui est scénariste, les frères Pérouse, bon, il y en a un qui est malheureusement disparu, mais l'autre fait carrière, très belle carrière. Qui c'est qu'il y avait d'autres enfin bon, bref, plus. Pierre Mine y était déjà, non? Pierre Mine y était déjà, non? Pierre Mine ne faisait pas partie de l'équipe d'origine. Chris Malgrin, là. Chris Malgrin, très bonne, je m'en veux de l'avoir oublié, il m'en voudra aussi d'ailleurs. Mais enfin bref, c'est dans l'ensemble la plupart des gens qui travaillent chez nous. Et puis bon, après, bon, on s'est un peu dispersé. Et là, c'est bien de. Et puis bon, on avait aussi des dessinateurs espagnols et mexicains, c'était sympathique. On a retrouvé d'ailleurs depuis, j'ai retrouvé mes Mexicains, on s'est mis de nouveau à travailler ensemble, c'est génial, ils font le boulot d'ailleurs. Tu verras le premier numéro de Strangers, c'est entièrement dessiné et ancré par Alfredo Macol, qui est un dessinateur mexicain. C'est aussi bien que n'importe quoi qui se fait aux États-Unis, c'est superbe. Alors bon, c'est pas French Comics, mais en fait, c'est fait pour les Français, donc c'est. En particulier, il y a le vilain est un gros, un gorille, dans la meilleure tradition des comics. Tu sais, il y a toujours des gorilles intelligents dans les comics, Gorilla Grodd, etc. Et il se trouve que dans l'univers de Lug, autrefois, dans Zambla, il y avait une cité, une ville de gorilles aussi. Comme dans l'univers d'ici, je te dis. Hein. Et donc, j'ai repris des gorilles, puisque c'est toujours marrant de faire des gorilles. Il a dessiné des scènes de bataille avec cette espèce de gorille habillé en fait en military, tu sais, en fatigue militaire. Et tout, c'est absolument à Paris avec des qui se flanquent des coups de réverbère dans la gueule, c'est qui saute sur l'étoile de la Samaritaine. Enfin, tu vois, c'est génial, c'est très très bien foutu. J'en suis vraiment très content du numéro 1. Ensuite, le 2, c'est Pierre Mine qui le fait. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, donc c'est plein avec des zombies, pas mal d'ambiance. Le 3, c'est un dessinateur espagnol avec qui on avait déjà travaillé à l'époque de CEMIC. C'est un huis clos dans un avion où il y a JD qui est un espèce de gosse qui peut se transformer en monstre. Qui se bat avec une espèce de robot style un peu le T-1000 dans le Terminator 2. Ça, c'est donc le 3. Le 4, j'ai un autre espagnol qui est sur le coup, que je connaissais pas, qui est venu nous voir en Angoulême et qui a proposé des pages. Et puis ensuite, il y a Pierre Mine qui revient dans un épisode qui se passe à Haïti, dans les forêts d'Haïti, un peu voodoo. Et tout, enfin bref, donc on est bien avancé. Ah, et puis un autre truc qu'on va faire aussi, ça va pas. Bon, on le fait pour se faire plaisir. En septembre, on va sortir un jeu de trading cards. Oui, j'ai vu ça. Avec tous les héros, et j'ai fait les petits textes au verso. Sur le devant de la carte en couleur, on a la version moderne du héros, et sur le dos de la carte en noir et blanc, on a la version classique des années 60. Donc c'est un peu un hommage au passé, en quelque sorte. Un peu comme si tu prenais une carte, je sais pas, d'ici par exemple, et tu avais, la version moderne de Vigilante, et puis derrière tu as le Vigilante des années 40 avec le foulard, tu sais, sur le. Oui. Ben bon, bref. Le atome le atome moderne, et puis le atome de la Justice Society des années 40, tu vois. On a un peu suivi le même principe que d'ici, c'est-à-dire que des fois il y a des héros dont on reprend les noms. Mais on a fait, par exemple, dans Hexagon Universe numéro 6, il y a un personnage qui s'appelle... Non, Hexagon Universe numéro 1, 2, 3, 4. Il y a un personnage qui s'appelle Dick Démon. Et dans la version moderne, dessinée par Jean-Marc Ardenne, un français, French Comics, un jeune homme qui revient chez lui, son père est décédé, et il découvre en fait que sa famille sont des espèces de policiers dans le milieu des monstres. Lui, il avait été gardé loin de tout ça, parce que sa famille ne voulait pas qu'il soit mêlé aux affaires familiales, et puis l'assassinat, le décès subit de son père leur entraîne dans cette espèce d'univers de monstres, de loups-garous, de tout ce que tu veux. Et en plus, son frère a disparu. Et donc, l'histoire commence, si tu veux, il doit essayer de démêler tout ça. Mais le Dick Démon d'origine, c'était un cow-boy, en fait, qui avait également un frère, etc. Donc, on a le Dick Démon moderne qui ressemble un peu à Angel, tu sais, Angel Buffy, mais en blond. Mais en fait, tu sais, veston de cuir, en fait, ouais, etc. Et puis, tu as le Dick Démon classique, qui est un beau cow-boy avec un chapeau, etc.
Un peu comme chez DC, tu dois avoir au moins 3 ou 4 Johnny Thunder, par exemple. Tu as le Johnny Thunder Cowboy, le Johnny Thunder des années 50, tu as une Johnny Thunder femme dans les années 80, et pour autant que je sache, il y en a peut-être un nouveau aujourd'hui, va savoir. C'est... Et d'ailleurs, c'est pas toujours très convaincant. Hein. Je dois dire, il m'est arrivé de lire des histoires, même chez Semic à l'époque, il m'est arrivé de corriger. C'est normal. Hein. Moi, j'ai vécu, je vivais aux États-Unis, mais des fois, c'est pas. Tu sais, quand les Français, quand les Américains font des histoires qui se déroulent à Paris, même Chris Claremont ou tout, c'est pas toujours exactement convaincant. Et inversement, des fois, quand les Français font des histoires qui se déroulent aux États-Unis, c'est pas toujours entièrement authentique. Nous, ce qu'il y a de différent, si tu veux, et c'est peut-être unique en France, à un chouïa près, c'est que quand quelqu'un commence un comics aujourd'hui, c'est nouveau. Nous, c'est le seul univers qui existait réellement dans les années 50. Ulog a commencé en 53. Ils ont arrêté la création vers la fin des années 80. C'est réel. On peut ne pas aimer, mais c'est le seul corpus de personnages qui a le mérite d'avoir vraiment existé autrefois. Donc, quand on vient, nous, nos équipes modernes, on vient joyeusement s'emparer du bébé, on en fait tout ce qu'on veut et tout, l'œuvre elle-même présente est peut-être bien, ça peut plaire ou ça peut déplaire et tout, mais on ne peut pas nier l'authenticité du fait que, comme quand quelqu'un s'empare de Wolverine ou de Thor, on ne peut pas nier que quelque part, il y a 30 ans d'histoire du personnage derrière. Pas de façon continue comme aux États-Unis où ils n'ont jamais arrêté plus de la publication. Parce que là, en France, en fait, il y a eu la période Lug, puis ensuite ils ont passé tout en réédition. Donc il n'y a eu que des rééditions pendant 20 ans. Puis les petits 3 ans de Thierry Mornay, où ils ont refait de la création, puis 10 ans sans rien. Et maintenant, on recommence. On fait de la création en morse. Un tiré, un point, un tiré. Mais c'est authentique. Et j'espère, Wanga, c'est plein de gens sérieux, plein de gens motivés. J'espère qu'éventuellement un jour, ça... Pour Hexagon Universe, j'ai dit à Anthony que j'aimerais bien passer la main et avoir des gens, pas que moi, c'est-à-dire des gens qui écrivent des histoires. Enfin. Un autre truc qu'on va faire, mon prochain, oui, c'est eux. On va faire un recueil de nouvelles proses, d'accord, écrites par des jeunes écrivains, parce que souvent les jeunes écrivains cherchent des débouchés, avec les héros de l'univers Hexagon. Alors, c'est pas de la BD, mais il y aura des nouvelles avec, je sais pas moi, le gladiateur de bronze, Vampus, Omicron, etc. Okay. Et ça donne la chance à des gens qui veulent s'entraîner à l'écriture. Les gens qui sont chargés du projet sont les deux les deux écrivains qui ont écrit l'encyclopédie de la Brigade Chimérique. D'accord. Si ça te dit, tu connais la Brigade Chimérique? Bien sûr, oui. Bon, il y a eu un bouquin qui a été une encyclopédie ou un compagnon, un making of. Bon, c'est eux qui sont venus me voir en disant on est très motivés de faire quelque chose dans l'univers Hexagone, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? J'ai dit, ben, au niveau BD, pour l'instant, pas grand-chose parce qu'on n'a pas beaucoup de budget et ça m'ennuie de faire travailler. Tu vois, moi, je ne me paye pas, donc je n'ai pas de problème de conscience. D'accord. Je paye les dessinateurs de ma poche, mais je ne peux pas non plus demander à des scénaristes de travailler pour rien, c'est contre mes principes. Par contre, je leur ai dit, si vous faites des recueils de textes, là, vous pourrez toucher, tout le monde peut toucher des droits d'auteur. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour engager des dessinateurs et vous pouvez en gros faire ce que vous voulez. Je vous donne carte blanche dans la mesure où, bon, ne tuez pas les personnages. mais sinon, donc on a un recueil qui est prévu et l'un des deux, Romain Duissier, est suffisamment motivé. Il aimerait reprendre. On a un groupe qui va, ça va être mon prochain projet, 3 volumes. On a un groupe de personnages qui s'appelle Hexagon, le groupe Hexagon. Et j'ai vraiment pas les moyens, on n'a pas le temps de faire une série BD consacrée. On a déjà Strangers, 10 numéros, j'ai pas. Mais par contre, je serais pas contre qu'il continue Hexagon sous forme d'histoire en prose. Donc on va peut-être avoir carrément un volume tous les ans. Tu sais, comme les Wildcards de George Martin. Oui, tout à fait, ouais. C'est un peu l'exemple que je lui ai donné. J'ai dit, si tu veux voir du bon super-héros en prose, et que tu lis l'anglais, achète un des volumes de Wildcard, ça se trouve pas cher sur le net, sauf les derniers qui sont hors de prix parce qu'ils ont été édités à très peu d'exemplaires. Et j'ai dit là, prends ça comme modèle, parce que c'est de l'excellent super-héros, mais adapté en littérature. Ou les extensions de Fable, aussi en roman. Oui, oui. Et d'ailleurs, en soi, je sais que Byron Price, qui est décédé maintenant, avait publié quelques romans X-Men, qui étaient pas mal. Hein. C'était peut-être moins prétentieux que Wildcards,
Mais ça se lisait très bien. J'en avais lu un ou deux parce qu'à un moment donné, il était question que je fasse. Attends, c'était quel personnage? C'est jamais allé au-delà du pitch d'une page. Je crois que c'était le surfeur d'argent. Il me semble que je vais faire un truc avec le surfeur d'argent. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Marvel. Il y a eu des problèmes de droit. Il n'a vraiment pas payé. C'est très bien qu'on parle du surfeur d'argent parce que ça m'emmène à ma transition, à une autre facette de ton travail aussi, qui a été amener la bande dessinée française aux États-Unis. Et donc traduire Moebius, Druyère. Ah oui, oui, oui. Ouh là là, oui. Ça, effectivement, on a traduit beaucoup de BD françaises. Oui, chez Dark Horse, il y avait un magazine qui s'appelait Cheval Noir. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, du tout. Ça a duré quand même, peut-être pas 100 numéros, mais il y a une quand même une palanquée, hein, 80, 70. Et c'était que des BD. Alors, on a traduit Lon Sloan, on a traduit Les Cités Obscures de Schwitten, on a traduit pratiquement les 5 premiers d'Adèle Blanc-Sec, on a traduit Rourke. On a traduit du Moebius, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a traduit Jordan de Macchio et je sais plus qui. On a traduit, qu'est-ce qu'on avait traduit d'autre? On a traduit Fred et Bob de Vatine, Aqua Blue. Ouais. On a traduit d'autres trucs d'Andreas, on a traduit Couteau, on a traduit Cromwell Stone, on a traduit du Tardy aussi. Je crois que j'ai fait 120 rue de la gare, oui j'ai fait 120 rue de la gare et Tueur de cafards. Également. Oui, effectivement, la pile, les traductions sont pile. Et on a fait tout Moebius, pratiquement, et pratiquement tout Blueberry, sauf les 5 premiers albums. En fait, tout Blueberry jusqu'à Arizona Love. Du point de vue des éditeurs américains, c'était accueilli comment? Chez Marvel, très bien. C'était super. Moebius a très très bien marché. On était parmi les meilleures ventes en albums. Ça rapportait, en plus, les albums n'étaient pas donnés. Ça rapportait beaucoup à Marvel et ça a été une On a vendu plus d'Arzac aux États-Unis que toutes les éditions françaises confondues. D'accord. À l'époque des années 80. Wow, wow, wow.